on va faire un autre test sur le jeu Andretti Racing, sorti en 1996 sur PlayStation 1, édité par EA Sport, le même studio qui a fait de nombreux jeux de sport, notamment FIFA. Et là ce coup-ci, on va faire, bon, j'ai essayé de faire un autre, j'ai préféré de faire un autre test, juste histoire d'en refaire, parce que l'autre fois, j'ai fait un autre test sur ce même jeu, et j'avoue que j'ai fait un petit de la merde, voilà, j'ai fait de la merde, voilà, je m'en excuse. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de voiture de course de type, soit de voiture de course où on contrôle soit une monoplace, soit une bagnole sortie tout droit d'un circuit de NASCAR. Donc on va pas perdre de temps. Bah tiens, on va prendre le Thunderdome. On va mettre 8 tours plutôt que 12, au lieu de 12, parce que j'ai vu trop. Excusez-moi, je voulais essayer de mettre le 12 tours, mais je me suis rendu compte que c'était trop long, et en plus j'ai eu trop gros. Voilà, bon, mais bon, c'est pas grave. On va faire un peu mieux que l'autre fois, et espérant que je ferai que. Mais bon, en même temps, si j'ai galéré, à la limite, c'est pas grave. Ok, j'avoue que j'ai fait un petit peu de la merde, j'en ai excuse, mais c'est pas grave. En même temps, ça reste quand même de la découverte. Bon, allez, c'est parti. On va prendre les monoplaces parce que j'adore les monoplaces. Bon, là, on va pas faire le, comment dirais-je, les présentations parce que c'est pas, c'est, on n'a pas le temps. Donc, ce jeu, je vous rappelle, c'était un jeu de type voiture de course. Voilà, ce que vous voyez, c'est juste la plan sur le circuit du Calder Park, enfin le Thunderdome de Calder Park à Melbourne, en Australie. Oui, alors, ils sont très branchés IndyCar, les mecs de chez les Australiens. Tout porte à croire qu'ils ont bon goût. Bon, allez, c'est parti. Donc, je suis donc cette bagnole de couleur bleu et blanc. Voilà, attention. Oh là là, c'est fou à quel point, mais on me pousse à faire des erreurs de des erreurs de gamin. Bon, on va essayer de. Bon, quand je vous l'ai dit, là, c'est mon deuxième test sur ce jeu. Je vais essayer de mieux jouer parce que l'autre fois j'ai fait un petit peu de la merde. Attention, 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 oh là, attention, 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 faisons pas n'importe quoi. Allez, restons concentrés, restons concentrés. Voilà. Bon, là pour l'instant, là je suis 9ème. J'ai pris 8 tours au lieu de 12. Oui, excusez-moi, j'ai vu trop grand, je m'en excuse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein? Alors attention, on va essayer de mieux. Oui, 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 c'est bon, voilà, on continue à rouler, ça va. On ne se précipite pas, on ne s'enflamme pas. Non mais c'est ma faute, j'étais tellement concentré que je me suis enflammé. Et du coup, j'avoue, j'ai vraiment merdé et je m'en excuse encore. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, l'erreur est humaine. Et c'est avec par les échecs qu'on obtient des leçons. Attention, attention, oui, oui, on continue à rouler. Attention, j'ai tellement peur de percuter, mais j'ai vraiment pas envie de créer un accident. Tellement, mais le jeu, franchement, il faut vraiment rester cool, rester concentré, rester prudent, hein, ne pas faire vraiment n'importe quoi. Il faut vraiment, rester serein. Et on peut voir que l'IndyCar, c'est quasiment l'anti-chambre de la F1. Ça peut être des courses avec des monoplaces, ça reste quand même une anti-chambre de la F1. Voilà. Eh bien, là je suis deuxième, j'ai passé le troisième tour. On va essayer de voir si on peut passer celle-là. Bon. Ok. Et sinon, mis à part ça, je trouve le jeu sympa, très stylé, très dynamique. Ouais, franchement. Non, non, pas de sarcasme, le jeu est classe. Hein, tout comme les jeux de Formule 1 que j'avais déjà testé. Oh, mais. En l'occurrence, celui-là, il pète le style. Voilà, pour l'instant, là, je suis. Ouais, on continue à rouler. Voilà. Faut faire attention à ne pas percuter celui-là parce que j'ai tellement pas envie qu'il me percute et que je le percute même sans le faire exprès. Attention, merde. Oui, alors, à mon conseil, oui, alors, il y a une chose qui est vraiment méga saoulant dans ce jeu, c'est qu'on a souvent des problèmes de freinage. Allez, c'est bon. Voilà, quatrième tour. Voilà, plus que 4. Si on se concentre et si on continue à rouler, tout ira bien. Oh oui, tout ira bien, tout ira bien. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Voilà. Et je suis sûr que je peux le faire. Bon, comme je viens de vous le dire, le jeu, franchement, est vraiment pas trop mal.
Franchement, une fois de plus, les gens de chez, enfin les mecs de chez eSport ou Electronic Arts Sport ont vraiment, assez bien bossé. C'est vraiment les rois du sport. Et qui plus est, les rois des jeux de sport. C'est ce que je voulais dire. Attention, oui, voilà, parfait, c'est bien. On continue à rouler. Faut que je garde aussi un œil sur l'essence. Oui, parce que oui, alors parce que vous êtes aussi limité en essence, donc il faut quasiment, mais bien faire gaffe. Bien faire gaffe à pas trop user de l'essence. Voilà. C'est bon, cinquième tour, c'est bien, c'est bien. Et je suis toujours deuxième, certes, mais pour l'instant, ça va pour le mieux. Ça va pour le mieux, ça va pour le mieux, ça va pour le mieux. Allez, on va essayer de continuer à s'approcher. Tout en évitant les virages et les autres concurrents. Espérons que, bien évidemment, je ne galère pas trop. Bon, en même temps, c'est mon deuxième test, hein. Allez, parfait. Là, pour l'instant, je commence à être un petit peu rattrapé. Mais bon, ça va. Voilà. Pour l'instant, tout baigne, tout baigne, tout baigne. Oui, il y a une chose que je retiens à propos de ce jeu, c'est fou à quel point les sponsors sont omniprésents. Il y a McDonald's, il y a Texaco, il y a Firestone, qui est une marque de pneus. Mais franchement, le jeu, franchement, il a un sacré style. Mais vraiment un très beau style. Hein. Très bien. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Pour l'instant, j'ai pas rencontré d'accident. Voilà, c'est bon. En plus, j'adore ce circuit. J'adore ce circuit. Franchement, il est classe, il est potable. Franchement, bon, ça va. Il me reste encore Tire Worn. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là, j'ai pas compris. Oh là, oh là, j'ai pas compris. 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un embouteillage. Oh, attention! Oh non! Oh non! Non! Oh non, 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 là franchement c'est pas juste les mecs. C'est pas juste. Tain, je voulais, comment dirais-je, continuer à rouler. Et là, on m'a foncé dessus comme un putain. Oh non. Oh non, là c'est... Non, franchement c'est pas drôle. Non, les mecs, c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Putain, regarde-moi ça. Ils ont cabossé ma bagnole. Tain. Bon, une chose est sûre, c'est vous qui payerez les réparations, hein. Attention, hein. Connard! Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, on va continuer. On s'en fout si on galère un peu. C'est pas ça qui va m'arrêter. Non, 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 non. L'autre fois, j'ai été obligé d'abandonner parce que ma bagnole a été un petit peu endommagée. Et là, ce coup-ci, ça va pas se passer comme ça. Non, monsieur! Voilà, très bien. Voilà. Non, 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 l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, s'il vous plaît. L'autre côté, l'autre côté. Voilà, bon, pas grave, pas grave. De toute façon, ça va être le dernier tour. Bon, à la limite, si j'ai pas. J'ai donné le meilleur de moi-même. Donc, excusez-moi. Allez, un dernier petit tour et après, bah bon, et après. Bon, après, c'est pas grave si je suis arrivé, je sais pas, dans les 7 premiers. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais franchement, c'est pas grave du tout. Ce n'est pas grave du tout, hein. J'ai fait ce que je pouvais. Oh, putain. Oui, je sais que c'est le. Mais bon, c'est le problème de. C'est le freinage qu'il faut s'en prendre, pas moi, hein. Bon, en plus, ça va, ça va, ça va. Non, mais arrêtez de me bolosser, putain! Oh! Eh, c'est pas très sportif, ça, hein? Bon. De toute façon, je m'en fous, je survivrai. Et c'est pas étonnant qu'on me surnomme Vince le Survivant. Bon, ça va, il me reste encore un petit peu de fuel. Je peux encore terminer la course. Après, c'est pas grave. Comme je viens de lui dire encore une fois. J'ai donné le meilleur de moi-même! Oh! Putain! Putain, mais la bagnole, quand elle fait n'importe quoi, mais. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon,
on va pas fataliser, on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, de toute façon, j'ai donné le meilleur de moi-même. Voilà! Bon! Oh là, mais regardez-moi, mais comment ils ont défoncé ma bagnole, ces connards! Mais putain, mais regarde-moi ça! Bon, ok, j'admets que j'ai galéré à mort, mais j'ai pas abandonné, je n'ai pas abandonné. Donc cela prouve que j'ai fait beaucoup mieux que le test précédent. Voilà. Et après, peu importe si, de toute façon, c'était une course amicale, c'était pas une compétition de qualification ou quelque chose comme ça. Non, 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 ça n'a rien à voir. Bon, mais à part ça, le jeu est bien, mais il faut savoir, comment dire, faut savoir bien rester prudent, hein. Bon, bref, il faut savoir rester. Bon, ok, je termine 13e, mais c'est beaucoup mieux que terminer à la lanterne rouge. Donc j'ai fait, ce qui veut dire, j'ai fait plus d'efforts qu'au test précédent. Et basta. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. Voilà, donc c'était donc le deuxième test sur le jeu Andretti Racing sur PlayStation 1, un jeu de course où on pilote soit une monoplace ou une bagnole de stock-car qu'on trouve dans les circuits de NASCAR. Un jeu bien, mais un petit peu turbulent sur les bords. Il faut vraiment, et en plus, il faut, comme je viens de vous dire, il faut rester prudent, à ne pas faire trop n'importe quoi. Bref, le jeu est bien, mais à tester une fois. Hein. Bon, j'arrête pas de le dire, mais bon, on teste une fois, et après, bah, libre à vous si vous voulez retester, etc., etc. Bref, un jeu pour les gros bourrins. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Ah oui, j'avais oublié de vous dire que ce jeu est sorti en 1997 sur PlayStation 1 et édité par eSport. Voilà, donc merci encore eSport. Allez, ciao et bisous. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.